Yo tout le monde, voici les commentaires what the fuck du jour. Fast and Furious, 10 minutes après, nouvelle émission de TFA. Fast and Furious, l'émission où les candidats se pètent la gueule pour des firsts. Non, fils. C'est marrant toi, dis donc. Ça y est, je suis sorti du plateau de Fast and Furious. Attends, dormir pendant 666 heures. Je crois que je vais prendre une arme blanche pour tuer des mecs. Et Jérôme Yel, c'est le frère de Zach Guénien. Ah, c'est pour ça que YouTube est lancé free. Ah, oh my god, tout est lié. Salut toi, putain de merde, ça faisait longtemps. Je vais exploser la planète de Spernon. 3, 2, 1, 6, 4, 7, jusqu'à 54 en fait. Oh merde, on peut plus mettre de chiffres. Qu'est-ce qu'on a fait, John? On a prévu un budget de 666 milliards de boules, mais la post-édition de Satan n'est toujours pas passée. On fait quoi? J'espère que j'ai pas positionné, non? Ouais, mais c'est bon, t'inquiète. Ou je sais, ça fait longtemps, PD. Après, là, t'as plein de... En carré. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah! Je vais même appeler sur ton fixe et sur ton... Sur ton portable. Je veux ton 06. Ah merde, je veux ton 50-20. 03, 89, 32... Putain, excusez-moi, mais... 03, 89, 32, 13, 16. Merci! Je vais prendre maintenant une GoPro et appeler ce numéro pour défoncer à mes deux sœurs. Yo, leur si coupable et qui a déjà fait 666 mois de prison pour viol avec Harlem Shake. Parle devant la victime. Lorino! Ah, cette fois-ci, il n'y a pas beaucoup de roues, hein, je suis déçu. 31 octobre 2014, ouais. Putain de merde! Pourquoi tu n'as pas prévu que c'était aujourd'hui la sortie de la vidéo à je sais pas quelle heure d'ailleurs? Ah, je vais exploser ma tête! Il n'y a pas eu de Fast and Furious! Et la suite! Exclamation! Après là, je vais défoncer tout le monde! Et là, je parle de EDK15! Putain de merde! Putain de merde! Je sais pas pourquoi j'invente une chanson! Voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si oui, eh bien, n'hésitez pas à mettre un pouce vert, un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne, de partager la vidéo et surtout de partager, enfin de me rejoindre sur les réseaux sociaux. Et pendant ce temps-là, moi je vais couper l'enregistrement.